La folie furieuse. Allez, zouf, un petit Arx Fatalis, pourquoi pas. Alors, c'est pas la manette Arx Fatalis. Ça va être pour moi au clavier. Hop là, ça je le mets là. Alors, Fear 2, je suis frustré parce que je trouve Fear 1, mais j'avais fait le cœur du scénar. Mais Fear 1, il faut pas oublier que j'ai les extensions, qui est en fait la suite de la narration. Et ça fait suer parce que, au mieux, quand j'arrive, conditionnel, lorsque je parviens à lancer le jeu, j'ai pas compris pourquoi il était instable. Parce que j'ai fait plusieurs tests et à chaque redémarrage, j'avais des résultats différents. Parfois, il voulait démarrer, parfois, il me faisait pas la bonne résolution, parfois, il crachait, parfois, j'avais plus de son. Et ce qui me fait grave suer, c'est qu'il est en anglais. J'arrive pas à le mettre en français, la suite de l'histoire. Et ça me frustre. Un jeu bourré d'action comme celui-là, mon cerveau est pas capable, je suis pas bilingue. Je serais pas capable de vous traduire, de saisir le propos de chacun et de jouer en même temps. Impossible. Je vais être claqué en 10 minutes. Donc, je désespère pas, comme Tomb Raider. Lara Croft, j'ai pas investi encore du temps à essayer de me décongestionner de là où je suis coincé en Égypte, dans le quatrième opus. Mais ça viendra. Quand? Je ne sais pas. Ce sera pas à la Saint-Glinglin. Ça finira bien par arriver. Mais. Et voilà. C'est C'est bizarre chiant quand c'est comme ça. que moi je me souviens plus, mais Fear 2 je l'ai dans mon Steam. Enfin, j'avais la version CD et qu'après avec une clé je l'ai mis dans mon Steam. Et je me souviens plus s'il était en français. Je me souviens plus. Ça fait très longtemps que j'y ai joué, donc je me souviens plus si le mien est en français ou pas. Alors, le fameux dragon, j'avais pas assez de thunes et il le dirait comme une insulte. Si je ne m'abuse. Pourtant, c'est écrit audio, aucune croix dans n'importe quelle langue. Donc tout est en interface. Donc je sais Vous pas. savez mon nom? Mais oh, mon perso qui se cogne la tête dans la grotte et j'avance plus. Zéro en spéléologie là. Non, faut que je me Alors, au fasse. pire, il existe un patch pour l'avoir en français, au niveau des textes. Ouais, bah il faudrait que je m'affaire à ça. Après, je ne sais pas si c'est compatible avec Steam. Ouais, c'est tout le problème. Hein. Je m'en souviens plus. Ah, c'est. Ah, ça date, hein. Ouh. Et tu m'étonnes que ça date. Le jeu est sorti en 2009, donc j'ai dû l'acheter en 2009 aussi. Ah oui, Ça rajeunit pas. Parce que normalement dans mon inventaire, j'ai les minerais. Bon, je vais déconnecter quelques minutes. Je reviens tout à l'heure, je sais pas quand. Ouais, tout à l'heure, pas de soucis. Bon montage de la toi. Il y en a qui veulent prendre le relais. Oui, ils sont les bienvenus. Voilà. Hey, tout à l'heure. À tout à l'heure. Attends, c'est rare ça. Ah non. C'est de la rouille sur la dalle métallique. J'ai mon Discord ouvert en local libre direct de Twitch pour ceux qui veulent faire la causette et qui ont la flemme de clavarder. Ceux
que je conçois parfaitement que vous êtes les bienvenus. Je crois que je me fourvoie dans le mauvais corridor. Bon, comme d'hab, hein, on peut faire la liste. À force de tourner en rond, on finit par trouver le bon truc. Ah oui, ça c'est bizarre. Attends, comment je mets la carte à vis comme ça? Ça c'est bizarre ça. Ça a l'air d'être une armoire, mais pourquoi je peux pas l'ouvrir? Je sais pas. J'ai pas trouvé la clé. Est-ce que je peux essayer de forcer la serrure? Ça m'étonnerait. Vu le niveau d'ingéniosité, d'ingénierie surtout des nains. Trop complexe pour moi. C'est bien ce que je me disais. Donc je peux recharger rapidement pour faire l'économie d'un système de crochetage. La fin était là. Je me souvenais pas que c'était aussi impressionnant la lave en dessous. Sous les pieds. Ah merde, ça c'est l'arrivée avec les nains. Là, je vais pas retourner chez les hommes. Ah merde, Doom. Je sais plus. Je ne sais plus. Yes, oui, Peldo. Non, là c'est la. C'est la Moïse, oui. C'est la Moïse. Non, c'est par là qu'il faut aller. Waouh! Alors, là, là, là. Ah, mais attends, je peux aller là maintenant, je crois. La porte, elle est ouverte, que je suis gros. Mais oui, je suis un gros débile, là. Voilà, c'est par là que j'aurais dû passer. Donc, ici, je ne fais plus grand-chose. C'est pour fragmenter les gros échantillons de minerais bruts. Maintenant, je n'ai plus que des petits échantillons. Il faut aller raffiner tout ça. C'est pas par là. Oh, mes dieux, mes redoux, je suis tout bordé. C'est par là. Mais non! Mais c'est pas vrai! Ah, oh, mais j'arrive pas à me repérer dans le dernier sous-sol qui est celui des nains. Mais non, là encore, j'ai. Je suis bloqué, je peux pas. Ah oui, c'est le cul-de-sac, enfin, c'est là où ça débouche dans le lab, c'est là où j'avais été poursuivi par le monstre. Ça sert à rien que je revienne là. Oh rage, oh désespoir, je suis grave mauvais. Je sens que je vais finir par regarder la carte en gros plan. En plein écran pour me remémorer de. Ah, c'est par là qu'il faut passer. Ah oui, attends, il y a une. Attends, ça mène où du coup ça, je sais plus. Mais non, ça c'est le point d'arrivée, ça. C'est le point d'arrivée. Je vais regarder la carte en plein écran, parce que je m'en sors plus du tout. Ah, attends, je peux pas y aller là.
cliquer un truc, mais... Ah non, attends, il y a... Ah mais merde. Ou alors c'est par là. C'est bizarre de se diriger avec la carte sous le pif. C'est une expérience troublante. Ah, il faut que j'aille dans le truc en diagonale là où il y a de la lave. C'est là mon erreur. Elle est là mon erreur. Voilà. C'est quoi ça? Attends, je descends où là-dedans? Ah non, c'est un cul-de-sac. Ça moi-même. Ouais, mais encore que sûr. J'ai pas une pelle d'ailleurs. Non. Ah, j'ai dû ranger la pelle dans le. Ah, est-ce que je pourrais pas demander à un troll de le faire pour moi? Il y a peut-être un truc à découvrir derrière. Eh ben dis donc, alors je vais pas sur les salles sur les côtés puisque ça correspond à des entrepôts. Ah! Voilà la pièce qui m'intéresse. Je faisais fondre mon minerai ici, je crois. Fallait deux à chaque planche. Merde, je sais même pas faire mon lancer de. Ah non, encore plus. Voilà, là c'est bon. Comment ça, ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était ça qu'il fallait faire. Bah merde. Ah! Ah bah non! Il y a un bug là. Il m'a soustrait une pépite de. Non et oh, refusé. Refusé, on recharge, je me suis fait escroquer là, il y a un bug. T'as le moule a même le sol. C'est irrespect. Ça c'est quoi? C'est du fer. De là. Ah merci. Alors je pense que j'étais parvenu à projeter mon minerai carrément en dehors du four. Un bug de collision. Voilà voilà voilà. Là je progresse. La suite. Alors je pense pas que ça fonctionne avec les pépites d'or, parce que c'est une pépite, c'est pas dit du minerai. Mais bon, je peux toujours m'amuser à essayer quelque chose. Et là, j'arrive à faire un truc en or. Ah oui! Le jeu l'a validé, je peux faire un lingot en or. Oh, je vais me faire des coucougnettes en or avec cette astuce, oui. Mais raffinez-moi tout ça, merde.
C'est les Jeux Olympiques avant l'heure. Lancer de minerai dans le... dans la forge. Ouais. Enfin, la fonderie, plus exactement. Là, comme ça qu'on fait. Là, 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 là. Je vais être riche. Riche en armes ou riche en... Je peux pas les superposer. Oh, ça va encombrer mon inventaire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Hop là. Passion forgeron. Ouais. Alors, est-ce que j'ai encore du minerai à raffiner ou pas? J'ai envie de vous dire non. J'ai tout raffiné. J'ai tout raffiné, mais je sais plus où est-ce que j'ai mis mon mitril. Ah, il est là. Ouais. C'est vrai que c'est pas la même couleur. Hop là. Hop là, je mets l'or là. Petit rangement posé de lingots de fer. Petit rangement posé. J'ai tout bien organisé. Merde, je l'ai fait tomber. Yes, sauvegarde rapide. Comme j'achète pas. Si propre. Yep. Ouais, tu penses que je vais tirer résistance au truc qui va péter. Oh merde, j'ai mis le pied dans un truc de lave. J'ai envie d'essayer. Est-ce que je peux me faire une arme en or? Ça me semble abusé, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Alors, je pense pas qu'elle aura de grandes propriétés en combat, mais pour le côté bling-bling. Ah, ça c'est mal pensé, ça me bouffe. Bon, bref. Oh bien. Alors là, le moule est très bien mis. Presque parfait. Mais non, apparemment le jeu est pas conçu pour faire des armes en or. Ah, ça aurait été complètement pété. J'aurais tellement adoré cette manip possible. Par contre, si j'en fais une en mitril, ça se passe bien, c'est ça. Il est au-dessus de la machine, trop fort. Voilà. Là, l'épée est générée. Ouais, c'est très bien. Là, j'en fais une, mais en fer classique. On commence. Hop. Oula, il devrait y avoir un bug, je pense. Ouais.
Parce que j'ai fait Tiens, d'ailleurs, d'aspect, ouais, on voit la différence. Je les superpose. Ouais, celle-là, elle est en mitrile. Donc, dégâts 20. Alors que l'autre en fer, dégâts 10. Ouais, ouais. Oh la vache, le double. C'est fou. C'est fou. Bon, bref, j'étais pas là pour ça. Enfin, je voulais pas aller au-delà du fait de raffiner mon minerai, mais je suis content d'avoir testé cette possibilité dans le jeu. Je me pose la question, le lingot d'or, combien je vais le revendre, parce qu'on ne peut pas faire des armes en or. Grande question. Alors, oui, il faut que je fasse du commerce. Pardon. Il faut que je fasse du commerce. Il y a des armes qui traînent ici. Alors, barre en métal, je vois que ça peut m'aider. La lame, là, je vais pouvoir la vendre. Ah non, je peux pas la... Ah non, c'est une lame de décoration. J'ai pas le droit de la vendre, elle est... On va dire qu'elle est hors catégorie, une masse de faugeron. Et ça, je la vends par contre, la masse endommagée. Ça servira à rien. C'est ferme, c'est fermé. Ouais, 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 les coffres verrouillés. Est-ce que je tente de les forcer? Il va me dire que j'ai pas le niveau pour. Je vais essayer sans trop y croire, mais bon. Trop complexe pour moi. Trop complexe pour moi. C'était sûr. Trop complexe pour moi. Ouais, non, ça marche pas. Hop, retrichage. Retrichage, trichure. À triche du moment. Chargement rapide. Pédon. Alors. Ça c'était les nouvelles cavités creusées par les nains. Mais ouais, ça n'allait pas au-delà. Ça n'allait pas au-delà. Excusez-moi, excusez-moi. Ah oui, il y avait le. Il y avait le chose, il y avait le truc. S'était fait déboîter et qu'il y avait une fiole de sens dans son inventaire, je sais pas pourquoi. C'est pas la bonne. Mais non, c'est là où il y a le truc. Non, il y a rien qui traînait. Attends, je regarde les fois. Hop, voilà, je me suis foulé une cheville. Ouais! Ouais. Ouais, non, il y avait le dispositif et rien d'autre en fait. Et rien d'autre. Coucou. Ah.
Ouais, non, j'ai de rien. Comment que je m'explose les pattes. Voilà, il y avait peut-être une trille de planquets, mais non, je crois que j'avais tout pris. Non, je persiste à croire qu'il n'y a plus rien à faire chez les nains, en fait. Bon, j'ai pas le niveau, pardon. J'ai pas le niveau pour déverrouiller les deux coffres et la porte qui semble dissimuler une armoire, en fait. Mais... En dehors de ça, on n'a plus rien à faire chez les nains. Les pauvres nains. Ah oui, non, il faut que je retourne là où il y a le téléporteur, lui, c'est vrai que le truc s'est effondré. Oui. Le téléporteur. Qui était là-bas. Alors, je vais pas repasser dans les sous-sols supérieurs. Là. Parce que le sous-sol numéro 7 au-dessus, qui est celui des hommes en rage. Que j'avais quasiment tout fait. D'ailleurs, je peux même vérifier sur ma carte. Sous-sol numéro 7. On a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui est pas découvert. Je sais pas si cet espace est exploité ou pas. Pardon. Je ne cesse de bailler. Tiens, c'est bizarre. Le sous-sol numéro 6, on dirait qu'il y a un truc. Attendez, c'est pas les femmes serpents, le sous-sol numéro 6. Si, je crois que si. C'est bizarre, tiens. Vas-y voir que je retourne dans le sous-sol 6, les femmes serpents. Histoire de voir si je peux pas compléter un peu l'entrée de la pierre. Ouais, non, c'est pas... Aïe! Mais merde, j'ai marché dans la lave, tout va bien, j'ai quasiment perdu les 4/5 de ma vie, joie. Allez, on va débarquer chez les femmes serpents, j'en connais qui vont faire la tronche, elles préfèrent rester entre elles, les vilaines de la magie du démon. Et puis après, promis, je retourne en ville faire du commerce. Pour acheter l'œuf de dragon auprès de l'intéressé. La carte de sous-sol, je suis là. Ouais, ça se tient. D'ailleurs, c'est bizarre. Mais c'est parce que je me suis pas frotté comme à ma boule sur les extrémités de la pièce. Voilà. Au moins là je sais que j'ai bien fait le tour. Excusez-moi, je me marche la queue littéralement. Voilà madame. Zalnash, vous êtes... Oui, Zalnash. Comment ça, Zalnash, maintenant? Ah bon, la mère supérieure veut me parler? Ou c'est un bug de quête en cours là? Comment ça, la grande chef Manitou veut me causer? Ouais. Alors c'est vrai que c'est le défaut de cette version qui a moyennement bien vieilli, c'est... Alors c'était déjà dans le jeu d'origine, c'est que le volume des voix des personnages sont d'un faible. Ils auraient dû là allègrement doubler le volume sonore des voix enregistrées.
Pour ceux qui veulent une version améliorée, j'ai toujours peur qu'il y ait un bouton dissimulé maintenant. Pour ceux qui voudraient y jouer dans une version améliorée, il y a des fans qui ont bossé dessus. Et regardez Arx Fatalis Libertatis. Libertatis. Ah oui, c'est vrai qu'elle a été assassinée. Ah bah tiens, elle a un collier. Ah ah, je vais la dépouiller, la vienne. Ça me fera de la thune. Libertatis qui permet d'optimiser. Je ne l'ai découvert que trop tard en fait quand je suis lancé dans ma carrière. Mais je vous fais en parallèle, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vous fais en parallèle pour une version Libertatis justement, en vidéo à la demande qui viendra un jour sur ma chaîne YouTube. C'est juste que je découvre en direct avec vous le jeu, et c'est seulement après que je joue plus tard dans la version améliorée Libertatis pour pas me divulgâcher et avoir les effets de surprise en direct, sinon c'est pas rigolo. Mais c'est vrai que la version améliorée Libertatis, rien que la lecture, les caractères, c'est lisible, c'est... Tout a été bien pensé. Alors attends, je suis où par rapport à la carte du niveau? Ah non! Je suis pas là où je m'attendais à être. Attendez, attendez, attendez. Ah, c'est la téléportation suite à l'épreuve. Ah oui, c'est ça, c'est le coup du... Ah bah tiens, les illusions ont plus d'effet sur moi comme j'ai le casque de Proxénis. Le coup des... Ah oui, mais non, mais les manettes, elles sont plus visibles maintenant. Ah non, seule la bonne est visible. Ah ouais, le mur se referme, mais... Ouais, ouais. Ouais, non, bof. Ouais, non, je vais pas tout refaire. C'était juste pour voir l'effet du casque de Proxénis, mais en dehors de ça... On va retourner chez les humains vendre le matos. Non, c'est bon, je vois à quoi ça correspond, et prout-prout. Oui, c'est pour aller chez les hommes-rats, ça, non? Ah, bah non, oui, non, c'est l'épreuve. Oui, il n'y a plus le champ de force, puisque j'ai terminé l'épreuve. Je peux prendre le truc à l'envers. Je fais l'épreuve à l'envers. Oui, non, on voit rien de particulier, mais boum, ouais, ça se téléporte, parce qu'il y a un saut de... Oh là là, cette épreuve qui m'avait fait tourner en bourrique. Et dire que le bouton était là. Les malins. Bon, les films jouent. Ouais, ça correspond à ça, on le voit. On le voit. Pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa pa pa. Oui. Il a aussi double bouton. Double bouton, double bouton. Oh. Déjà 17h. Il ne me reste plus que 4 heures de direct en compagnie. Donc hein, on retrouvera Christella ce soir avec Petit Seb dans le Nord de l'espace, là, à 21h. Ville d'Arx, pour avoir le commerçant. Et je pense très honnêtement que j'ai encore du matériel en rab, en réserve, que je pourrais aller vendre pour me faire un max de thunes. Oh! Comment qu'il a claqué la porte au nez, le gars! Cette animation. Non, allez, je vais voir la madame. Ça fait longtemps que je suis pas allé la voir. Jetez un coup d'œil à mes coffres et servez-vous. Ah, oui, j'ai plus le droit d'avoir de sac.
Ah oui, non, elle rachète pas les bijoux. Elle rachète que les trucs d'hiver. D'hiver et d'été, diront certains. Putain, j'ai 10 cordes sur moi, quoi. Oh. Oui, c'est ça. Oh, comme tu dis. En choses diverses, j'ai... morceau de bois que je peux vendre. Oui, je peux en vendre un. Un seul me suffit, va. C'est jamais pour que je trouve encore un truc cassé, un levier pété. Ah, elle rachète les sorts. Deux ou trois. Honnêtement, je crois que je vais revendre mes sorts. Je vais revendre mes sorts. Ça me fera de la thune. Et puis, comme j'en fais rien, j'ai quasiment plus rien qui me résiste. Je vais peut-être garder un négation de champ de force s'il y en a un chez les grands méchants. Mais... parce que je sais que si je le fais manuellement, j'ai pas forcément de niveau pour bien... Ah, je sais ce que j'ai oublié. Oui, madame. L'autre, elle me cause. Elle va pas me déconcentrer du tout, elle. Ça doit être ça. Mais oui, c'est ça. Oui, souvenez-vous, le champ de force dans la crypte pour atteindre le dernier sous-sol. J'avais pas assez de force. J'ai dû faire usage d'un parchemin pour avoir la toute puissance de désactivation du champ de force. Moi, manuellement, j'avais pas le niveau. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Non, ça, je vais me le garder parce que ça va vite casser. Ok. Donc je n'ai plus de parchemin, on est d'accord, à part celui de... Bah merde, je crois que je l'ai vendu aussi machinalement comme un gros nigo. Bah, pourquoi je le vois plus? Ah oui, j'ai dû le vendre. Bon, Crotum, ce qui est fait, est fait. Je suis sûr d'oublier quelque chose. Oui, négation de champ. Voilà, je vous l'ai dit et je l'ai vendu. Je suis débile parce que au rachat c'est 1200 donc ça douille. Je vais revendre les os. Les nanos. Ah merde, mon perso a faim. Tu me diras après sa mésaventure dans la lave, je peux comprendre. Ah, j'ai du poulet cru. Hop, allez, je mange des côtes de rat cuites. Rôti. N'hésitez pas si vous désirez quoi que ce soit. Oui, 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 je désire bien les choses. C'est le forgeron qui pourrait me racheter mes nanos. Bijoux... J'ai plus de bijoux de base. Il faudrait que je relise la quête secondaire, là, la... Ah, anneau d'or et anneau d'argent. Je vais les revendre. Ça me libérera de la place, ça me prend un tout petit peu de thunes. Mais ça va surtout me libérer de la place dans l'inventaire. C'est quoi ça déjà? Anneau de Darka, protection contre la magie. Ah, d'accord. Le forgeron, allons voir monsieur le forgeron. Voilà, je lui vends la masse endommagée aux deux tiers des nains. Qu'est-ce que je revends? Oui, alors le lingot d'or. Oh! Le lingot d'or vaut moins cher que le lingot de fer. Lingot d'or vaut 176, le lingot de fer 221 et le lingot de mithril 532. Effectivement, ça court pas les rues. Mais je sais pas au forgeron que je revendrai mes lingots, incroyable. C'était le mec qui faisait le... C'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de vérifier parce que je m'y attendais pas que ce soit attribué à ce marchand-là, mais... Au
obligé de reconnaître que si si c'est comme ça. Bon, bah j'ai pas l'air idiot. Ça y est, je sais déjà plus. Oui, attends, j'ai passé à travers ce portail. Donc je vais revoir ce commerçant et voir le coût du lingot. Ah non, c'est pas lui qui m'achète. Bah, qui c'est qui m'achète les métaux raffinés? C'est la dame? Sérieux? Ah non plus. Bah, ne me dis pas que c'est le banquier. Si je vais aller voir le banquier que je peux pas blairer et que je peux lui vendre mon lingot d'or, alors là... Bon, j'irai pas jusqu'à m'en étouffer, faut pas déconner non plus, mais... je vais faire les gros yeux. Ah oui, très lourd de pierre. On va mettre sur le côté, histoire de pas se casser la figure. Le banquier de mes deux, il est où? J'en ai assez de cette bouffe de troll. Pardon? J'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai perçu... c'est quoi cette bouffe de drogue? Ce qui n'a aucune signification valable. Le banquier, il est là, le banquier. Bonjour, monsieur le banquier. Est-ce que vous achetez mes lingots? Déjà, génial, le mec est pas à portée. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Ah oui, c'est là, merde, c'est vrai. Oui, il y a les... Ah oui! C'est lui qui fait les lingots. D'accord. Ok, c'est de la pure thune, les lingots. Ok, ok. Bon bah voilà, lingot d'or et quel banquier. Les autres lingots, enfin les lingots dans d'autres métaux, c'est le forgeron ou un autre commerçant. Et bah dis donc, mais dur. Je voulais vérifier la quête de la nana fantôme là dans la crypte. C'est... Alors ça va être dans mon historique d'aventure. J'ai croisé le fantôme d'une femme. Elle me demande de trouver qui sont les responsables de sa mort. Elle m'a certifié qu'elle était un personnage très important du royaume et que son assassin n'a qu'un œil. L'assassin de la femme est un borg. Ou un... comment on appelle ça? Ah, j'ai presque 9000. Sauvez-nous, gardien. Oui, oui, volontiers, mon gars. Ah, merci, je voulais faire une sauvegarde. Mon appui de la touche qui est refusé. Plout. Oui, le monstre tout cuit, oui. Oui, c'était pas mal comme... Marchandage ou marchand, allez hop. Le fantôme. Quelqu'un d'important, Borg. Peut-être que la chef des rebelles pourrait m'en parler, mais... l'assassin était Borg.
L'assassin était borné. Hop, 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 hop. J'ai failli dévisser et mettre le pied dans le vide. Ouch. Il y a des trolls qui sont pas loin. J'aurais leur demandé si... Mais je pense pas que ce soit programmé. J'aurais été tenté de demander aux trolls qui m'aident à dégager le corridor sous éboulis chez les nains. Mais je pense pas que ce soit programmé, que ce soit prévu. Toi, ami. Toi, ami. Je sens qu'ils vont tous me dire la même chose. Excepté leur roi qui aura sa propre réplique classe, mais bon. Merde, je sais plus comment on fait pour rejoindre rapidement la chambre du roi. Non, c'est pas là. Ah, de là. Toi, ami, toi, ami. Je pense pas qu'il faille le demander à l'artiste, le bon copain entre l'artiste. Ah, messire. Toi, être véritable ami des trolls. Ok, c'est bien ce que je me disais, visiblement c'est pas programmé. Je pense pas que l'artiste troll. Mais je vais passer à côté de lui puisqu'il est à proximité du dragon. Alors. Au moins j'aurais essayé. La 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 la. Allez, ouf. Mais ils sont malins hein, dans la conception du jeu Arc Fatalis. Hein. Vous avez vu, épisode après épisode, je passe presque dans tous les sous-sols. Hein. C'est vraiment bien fait en 4 FedEx, si je parle mal, du point A au point B. On reparcourt à chaque fois quasiment toutes les zones. Et voilà. Toi, hein, ils ont su localiser, éparpiller les quêtes, les énigmes pour faire de nous une véritable balle de ping-pong. Mais d'une extrémité à l'autre des cartes de la table à jouer, symboliquement parlant, ils ont fait très fort. Ils ont fait très fort. Pas du tout. Je pense qu'il restait du matos dans la forge des gobelins que j'ai pas récupéré. Si j'ai besoin de me faire de la thune à la vente, je pense que j'irai faire main basse sur leur matos. À moins que je l'ai fait précédemment et je m'en souvienne pas. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Bonjour ami de Grune. Moi content de voir ami de Grune. Oui, oui, oui. Bonjour de Grune. Agroubou, agragra. Les niveaux de dialogue sont... Wouh. Concours d'élocution, là, c'est... Enfin, non, pas d'élocution, mais concours d'élégance. Moi-même, vous voyez, j'en perds mon latin. Alors, attendez, il faudra que je fasse la lévitation. Lévitation, c'est... Merde, ça commence mal. La souris qui me trahit. Oh.
Alors, dans la version Libertatis, hein, ça a été amélioré. Oh, mais... Ce genre d'incident ne se produit pas. Vous réussissez vos combinaisons de runes magiques au premier coup. Pa 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 la pa 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 la pomme. Ah, j'ai une démangeaison à la jambe. Une envie soudaine de me gratter. C'est rare quand ça m'arrive, mais alors là c'était vif. Et imparable. Et si soudain, ajouterai-je à mon papa. Le dragon, il est là, le dragon. Ouch. Ah, on va lui acheter un de ses neneufs. Les neneux de dragon. La bonne question, les dragons sont-ils neneux? Là-dessus, rien de neuf. Ah, je répète l'excellente formule du regretté Raymond DeVos. Une excellente réplique qui peut avoir beaucoup de sens de lecture différents. C'est à force de constater par trois fois que vous n'avez trois fois rien, l'on se retrouve avec rien de neuf. Elle est mathématiquement correcte, elle est, j'ai envie de dire, philosophiquement correcte, etc., etc. Vous avez 4 heures. Ah non, est-ce que vous savez mon nom? Ah oui, j'ai ton nom du Capitaine Igloo. Cette somme me convient, gardien. Prenez cette œuf et puisse la sagesse draconique guider votre âme. D'accord, donc je n'ai pas à... Ah ! Ah ! C'est un œuf que voilà, le dragon m'a cédé, sachant qu'il y en a trois au-dessus. Je pourrais m'en prendre par la force. Moi, je serais tenté d'être vache, c'est-à-dire de... Alors, je ne le ferai pas maintenant, c'est un autre épisode. Mais je serais tenté à un moment de me faire l'extra, de le zigouiller, de voir ce qu'il a sur lui et de revendre les œufs ou de faire des armes ultra pétées en... Avec les... Ah, la vache, ouais. Ça présente bien l'œuf de dragon. Oui, donc je me suis fait bien dépouiller. Il me reste 4000 quand même, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Ah, baisse-toi. Le même souci que tout à l'heure. Voilà, je me cogne dans le... Dans la grotte et j'arrive plus à me mouvoir. Ah, Boudiche. Wally Wally Wish. Alors, il va falloir repartir chez les nains, mais je sais pas comment on fait l'enchantement. Vas-y voir que je relise les conditions du... Je dois avoir encore le bouquin sur moi, ouais. Théorie de l'âme ultime, manuel d'utilisation de la forge, carnet de bord, des mines. Non, je crois que c'est ça. Alors la dernière étape est l'enchantement. Plusieurs choses peuvent magiquement améliorer une arme. De tout de choisir avec soin le composant que vous souhaitez l'arme. Enchantement donne. Ah, je crois que je peux le faire à main nue, si j'ai pas de bêtises. Donc, l'œuf de dragon permet à une arme d'augmenter les dégâts aux objets qui sont matériaux. D'accord. Donc, si Agba, mon grand ennemi, a, imaginons, une armure en mithril, comme Malam est en mithril, avec l'œuf de dragon, je vais le déboîter méchant, quoi. Alors, si ma théorie est juste, attendez, on va essayer. Bon, les os, je vais m'en débarrasser ici. Hop là. Lancer de nonos. Le truc qui a aucune valeur. Alors, attendez voir.
Voilà. Si je fais ça... Je ne devrais pas faire ça. Comment ça? Ce n'est pas une bonne idée. Ah bon? Bah... Elle scintille, c'est donc que je peux interagir avec? Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire ça. Oh, parce que là, la clignote, c'est débile. Attends, déjà, est-ce qu'elle est en état... Ouais, non, elle est incassable, la machine. Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire ça. Bah, comment je procède alors? Ce n'est pas une bonne idée. Bah, t'es marrant toi, comment je fais l'enchantement? Je ne devrais pas faire ça. Je vais peut-être retourner chez les humains dans le laboratoire du mage. Là. Parce que j'ai pas souvenir qu'il faille un support pour l'enchantement. Oui, château. Allons au château. Aïe, et j'ai mon pull qui est en train de se défaire dans mon dos, c'est très désagréable. Oh, Bastos, sociétaire de niveau 112. Eh bien, merci à toi d'être si fidèle. Oui, Dudu. Oh, ces scores de fidélité, ça me rend fou. Extraordinaire. Laboratoire du mage. Tiens d'ailleurs, oh je pense qu'ils ont toujours la même... Oh là, c'est un coup à renverser la madame. Ils ont toujours la même réplique, je présume. Il faut vous occuper de cette fameuse arme, gardien. Il faut vous occuper de cette fameuse arme, Amshagar. Attends, si je lui présente pas mes hommages, mais presque. Attends, hop, sauvegarde rapide. Non, il réagit pas. Non, il réagit pas. C'est pas programmé. Les laboratoires du mage. Les laboratoires du mage. Je sais plus. Ah si, c'est après la bibliothèque. Oh, je sens que lui, il va me faire suer. Ah, ça va, je suis parvenu à passer au bon moment. Pile poil. Salut, toi. Oui, oui, je me laisse imprégner par là. Tiens, je me souviens plus que le champ de force est encore là, mais bon. Une herche. Non, sérieusement, on peut libérer le rat? Il y a un intérêt à libérer le rat ou... Non, je vais pas le tuer, le pauvre. Non, 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 là, je peux faire de la magie. Ça, c'est la chimie. Non, non, il n'y a pas d'hôtel pour le... Il n'y a pas d'hôtel pour le... Ou de pupitre d'établi pour l'enchantement. C'est ça que je comprends pas. Oh merde, je me souvenais pas que j'avais autant d'éléments d'alchimie dans le... Wouah! Génial, j'ai plein de trousses de soins qui sont en réserve. Ah ouais, vas-y voir que je refasse le plein là. Ah ouais! Ah, bonne idée! Bonne idée, bonne idée que de refaire le plein. 10 potions de soins et 10 potions de mana. Vie, vie, vie. Oh, même plus d'ailleurs. Attends, je vais en déposer, j'en ai trop. Invisibilité. Ouais. Ah bah tiens, j'en ai 3 de soins là aussi. J'en ai un peu partout en fait. Bon, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hein. Toujours le même. Le même heureux constat. Ouais, est-ce que j'ai... Ah ouais, j'ai des fioles vides et j'ai du... Ouais, les nénuphars, je pourrais encore en faire. Bah écoute, je vais me gêner, dis donc. Ah oui, non, merde, il faut de l'eau. Je crois qu'il me faille de l'eau. Réduire en poudre des nénuphars, mais il me faut de l'eau en plus.
Fioldo. Il s'est pas fait un petit truc de flotte, l'alchimiste? Il est débile à ce point. Je serais lui, je me serais fait un petit bac à eau. Oh. Je me demande si je peux forcer la prison du rat et le libérer. C'est là où le rat va me défoncer. C'est un boss qui dit pas son nom. Attends, résistance 3 de... Hop, là, ils sont 9 et celui-là, il est usé. C'est impossible. D'accord, autant dire que je me suis fait insulter par le jeu. Il me dit que c'est impossible. Vas-y, vous imaginez le rat qui me parle. Je suis ton dieu. Ah là là. Règle numéro 1, je t'interdis de m'appeler Ratatouille. On n'est pas dans une cuisine. Ah là là. Bon. Comment je fais mon enchantement, moi? Comment je procède à mon enchantement? J'ai l'œuf de dragon, je sais pas m'en servir. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne devrais pas faire ça. Je fais vœu de pas avoir retourné chez les nains. Parce que, hein, vous avez vu le dédale que c'est le temps que je mets à déambuler dans leur... dans leur territoire. Toc toc toc. C'est la police. Une scène. Oui, la police, oui, bien sûr. Van de Leva, ouais. Oh, il m'a cru. Oh là. J'ai pas l'air ni gros. Oh. J'ai l'arme ultime, j'ai l'œuf de dragon, mais je sais pas comment faire l'enchantement. Je réfléchis. Bah, demande à Dragon du Ciel ou à Malin Enchanteur. Ouais, ou à Olive qui tue, mais la malheureuse est en train de bosser, une pensée pour elle, là, elle est dans ses heures de service, que je sache. Yeah, oui. Bonjour. Non, juste pour dire, demander à la madame, là, comme elle a des antennes, peut-être qu'elle a un sacré réseau, donc si elle peut... Coucou Torota, écoute, elle a toujours le même discours, des phrases de sagesse. Mmh. Ouais, ben elle est pas si sage que ça alors. C'est ça. Non, c'est pas fatal. Ouais, mais tant qu'elle met pas des coups de queue. Bon, c'est tout pour moi. À plus tard. À plus tard, bon play crafter à toi. Merci. C'est rigolo, ça me fait. Ça m'amuse, moi, les salutations, les coucous inopinés. Ouais, ça fait un peu gag façon petite annonce de Alice et Moon. C'est fermé. Oh, j'ai jamais déverrouillé ce coffre. Surprise. Je prends mon pied là. Fermé. Ah bah, je suis ravi pour toi. Non, c'est mon pied de bureau. Ah. J'en ai 4. Eh bien. Gros pied, hein. J'ai faim. Là, tout à l'heure, j'ai sorti les plateaux pour voir. Ils sont monstrueux, les plateaux. Oula. Attends, j'ai eu un bug là dans le jeu. Ah, bon, c'est pas tout le jeu. Pas grave. C'est sans importance. Oui, mon perso avait dit qu'il crevait la dalle. Ah ! Quelle la dalle ? Oui. Quelle la dalle ? Oui, crever la dalle, oui, mais surtout, il faut que je cuise les pignons de poulet que j'ai de cru. Et j'avais un truc de feu chez l'alchimiste. Hein ? Moi qui me plaignais de pas avoir de ramequin de flotte, j'avais au moins les flammes. C'est dans le jeu, tiens, on rassure. Dans le jeu, oui, je te rassure. Des pignons de poulet à cette heure-ci, pour être un peu grillé, tes petits poulets, en vrai. Et encore, j'ai qu'il y a des flammes, mais elles sont tellement petites que je suis pas sûr que ça compte. On va essayer. On va essayer, on va voir si le jeu est cohérent.
Ouais, non, mais. Ouais, non, dans la physique. Cohérent. Dans la physique, en fait, je me fais avoir. J'ai cru entendre crépiter, mais ça s'est arrêté. Ah, dommage. C'est pas une source de chaleur valable, viable. Ah, dommage. Ah non, ça, non, c'est dans le bon sens, ça va. J'allais me plaindre que le vigie me bloquait le passage en corridor, mais non, non. Non, c'est bon. Ah bah tiens, la caserne, ils ont pas une cheminée? Ah non, ils dorment au froid. Oh d'accord. Oh là, ils ont même pas le confort. La cour du roi. Quand même, avec le recul, la cour du roi, il y a un grand vide. Hein. La place centrale, franchement, ils auraient pu rajouter des trucs, mettre des belles décos sur le côté. Et bah non. C'est minimaliste, c'est la crise. Appartement de Felnor. J'avais la clé, hein. Je sais plus. Non. Ah non, pas là. Ça, c'était. Ah oui, c'était le regretté mage assassiné dans l'introduction. Antidote, tatou, de nénuphar. Ça, je sais même pas pourquoi je peux pas y entrer. Je sais pas si c'est un piège, je sais pas, j'ai pas accès. C'est pas la chambre du roi, ça, par hasard? Oh, j'ai envie de faire mon vilain et d'essayer de crocheter la porte. Bon, il y a un garde derrière moi, je vais me faire arrêter. Mais... Je vais tester. Soyez rassurés, j'ai fait une sauvegarde rapide. Trop complexe pour moi. Ouais, trop complexe pour moi. Non, on l'a laissé tomber. Aïe, 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 j'ai pas le niveau pour faire du crochetage de serrure. Je peux pas faire mon vilain et entrer en infraction. Tant pis, tant pis. Tant pis. Vous seul viendrez à bout d'Agba. Tiens, oui, toi. Et toi, bien le bonjour, gardien. Ah non, il me suit vraiment du regard. Je suis épié de toutes parts. Et pieds étaient mal liés. Je ne devrais pas faire ça. Non, mais je me sens nigo de pas pouvoir chanter. J'ai tout ce qu'il faut, mais je sais pas comment procéder. C'est frustrant. Ah oui, j'avais dit que j'allais voir la chef des rebelles. Elle a peut-être une info sur le fantôme qui veut sa vengeance. La femme qui se dit avoir été assassinée par un Borg. Elle a peut-être des enfants. Oh non, j'ai pas pris le bon sous-sol. C'est pas le bon étage. Attends. Et encore. Je me demande si c'est pas encore plus en dessous. J'aurais peut-être dû prendre le quatrième sous-sol. Ce jeu est plus grand qu'on ne pourrait le croire et je me paume à chaque fois. Ouais. Parce que si je demande le sous-sol 4. Ouais, l'axe souterrain, ouais, c'est plus logique. C'était le sous-sol 4. Allez hop. C'est la valse des chargements de niveau. Je les aurais tous faits. Ah bah tiens, oui. Tu l'as vu du coup la bonne annonce de la série Knuckles qui va sortir? Alors je l'ai pas regardé, merci pour ton lien, non j'ai pas encore pris le temps de regarder, mais j'étais tout réjoui de me dire, ah tiens, un beau Knuckles en image de synthèse bien fait. Oh, coucou AJ! Comment que ça va AJ? Il y a que tes doigts. Il est en vacances là, je crois, AJ. Même non, que je suis. Oui, mais oui, bah, oui, il est en très grande vacances. Ça dépend. Je viens de me le rappeler. Ça dépend des zones. Oui, ça dépend des zones. Oui, ça va très bien, AJ, c'est cool. Ouais, ça va bien, merci. Tu vois, je me fais un vendredi exceptionnel après-midi de détente.
J'ai lancé à 14h30, je crois. 14h30 jusqu'à 21h. C'est bien, ça défoule. Je suis au chômage technique, partiel, vacances, tout. Oh mon dieu, tu cumules, Jay. Ah là là. Je suis nulissime, j'ai pas retrouvé mon chemin. Je vais me laisser tomber, tant pis si ça fait bobo. Ouch. Bobo. Ouais. Le lac souterrain, il est où le lac? Pareil, cette porte, je pouvais pas la forcer. Ça aussi, c'est un truc, j'y suis pas allé encore. C'est un truc qui me résiste, c'est pas normal. Ah, bonjour, que tu dis. Il me disait trop complexe pour moi. J'avais pas le niveau. Trop complexe pour moi. Ah oui, voilà, il me. J'allais dire, il m'insulte, mais il me rabat le caquet. Et il douche mon espoir. Oh la vache! Eh, j'ai fait un sacré ménage dans la crypte. Et il me dit qu'il manque encore 28 000 points d'expérience pour passer au niveau suivant. Alors que j'en suis au niveau 81 000. Oh là 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 là. Je sais même pas si je vais atteindre ce niveau. Oh non. Ce qui veut dire que je pourrais jamais crocheter les portes. Mais c'est horrible. Bah non, moi je passe partout. C'est horrible. Bah j'aurais accès interdit à certains endroits quoi, et c'est assez frustrant parce que je voulais quasi torcher le jeu. Pour revenir après. Oh écoute, si c'est possible, parce qu'il y a une condition dans la narration du récit, c'est-à-dire que si je bats le grand antagoniste, qui est Akba, le dieu qui est venu sur ce plan d'existence, si j'arrive à le patater, à le chasser, normalement je dois être appelé par les dieux, donc de force je vais être désincarné. Et fin du jeu. Fin de l'histoire. Donc il faut que j'essaye d'honorer un maximum de quêtes secondaires, tertiaires, suspensions, tous mes objectifs avant de confronter le grand ennemi une dernière fois. Et ça doit être un final dans un feu d'artifice. Alors attends, mon passe chez les rebelles, il est là. Voilà. Je commence à avoir la vessie qui me travaille. Je vais pas tarder à faire une petite pause. Ouais. Je croyais que t'avais pas mis une sonde. Mais non. Non, mais à force de siroter mon café au lait, la bière. Le deuxième gobelet du jour. Là, alors la bière va arriver après. La Guinness va arriver ça après. Ça arrange pas, ça, la bière pour les honnêtes. Hein. C'est pas faux, mais le plaisir est tellement présent. Non, alors Alia, elle a des dialogues merveilleux. Voilà. Ces femmes serpents nous posent de gros problèmes. Voilà, les femmes serpents lui posent de gros problèmes. Moi aussi, d'ailleurs. Et ben me voilà, guerre plus avancée, merdoum. Tiens d'ailleurs, ce sous-sol, alors en dehors de la porte qui me résiste, est-ce que j'ai des endroits... Oh, il est complexe comme ce sous-sol. Non, je pense pas qu'il y ait un truc qui me résiste là-dedans. Attends, lui, c'est la crypte, ça. Je me souviens plus qu'il y avait une ramification ici entre la crypte et... Ouais, ça doit être au niveau du lac. Mais je m'en souvenais plus. Oh merde, il y a un garde qui passe devant moi. Ah, je lui bloque le chemin. Il est en PLS, le mec, je le bloque. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre autant qu'étrange. Non, il y a des trucs, j'ai l'impression d'avoir mal exploré. Le prochain épisode, je vais encore errer ici et là. Mais pour essayer de comprendre pourquoi j'ai pas toute la carte à certains sous-sols.
Bon, je sais que mon crochetage, j'ai pas le bon niveau, ça fait suer. Tiens, d'ailleurs, pourquoi ça c'est pas... Ah bah oui, c'est les chambres de la cour du roi, ouais. C'est les fameuses chambres que j'arrive pas à crocheter non plus. Oh, si j'arrive désespérément à monter mon niveau de d'expérience, il faut vraiment que je mette tous les points dans le crochetage, parce que ça me ferme des accès, c'est malheureux. Attendez, on est chez les Amra. Ouais, chez les Amra aussi, dans le 7ème sous-sol, il y a beaucoup de surfaces inconnues. Il y a des trucs, c'est pas clair. Bizarre autant que étrange. Bizarre, c'est bizarre. Attends, sous-sol 8, non, il n'y aurait rien qui permettrait de monter au sous-sol 7. Par contre, sous-sol 6, le 6ème sous-sol, j'aurais pas un accès que j'ai pas déverrouillé ou il y aurait un. Ça, je crois savoir que c'est l'accès chez les Amra depuis les femmes serpents. Ça ne devrait pas être un autre accès au sous-sol. Ouais, tellement étrange. Moi aussi, je suis pas sûr d'avoir bien. Il y a un truc que je vais vérifier tout de suite. Il y a un truc qui me dérange dans le 6ème sous-sol. Attends, ouais. Je vérifie le 6ème sous-sol et puis je passerai à un autre jeu. Ce sera l'occasion pour moi d'aller chercher ma bière et d'aller aux toilettes. Est-ce que tu sais déjà. Oui, pardon. Est-ce que tu sais déjà ton futur jeu? Non, honnêtement. Non, je vais peut-être justement y réfléchir en étant aux toilettes. Est-ce que ce sera un jeu qu'on n'a jamais vu? À part le Destruction Derby qui est tout nouveau tout à l'heure là sur mon antenne, c'est la première fois que je le diffusais, j'avais pas prévu d'improviser un autre truc nouveau, mais rien n'est à exclure. Hein. Je. Dire Fontaine, je boirais pas de tonneau et un truc pas valable. J'avais dit. Merci, j'ai déjà oublié quel sous-sol je voulais explorer davantage. Bah c'est pas celui-là, c'est pas celui où je suis moi. Alors, j'ai regardé vite fait là, les modes multi là, de Broforce. Oui. Il y a du coopération, faut qu'il y en ait les niveaux. Coopération pour les campagnes. Et t'as aussi du deathmatch. Oh, match de mort. Waouh. Attends, je vais passer par la crypte. Hein? Mais qu'est-ce qu'il voulait, lui? Attends, c'est quoi ce délire? Hein? Mais, le mec... C'était un mec, il est redevenu poule. Mais qu'est-ce qui se passe? Lord Inut. Mais c'est du pur délire. Mais pourquoi il me parle pas? Oula! Ah, je sais pourquoi! C'est parce que je porte le casque du roi Poxelis qui élimine des illusions. Le mec qui s'est mis la malédiction d'être une poule. Voilà pourquoi je le vois momentanément sous sa forme humaine originale. Comment je peux le sauver, le mec? Parce que je pense pas qu'il veuille rester poule toute sa vie. Ça fait une belle de poule, toi. M'en parle pas. Ça fait une poule, ma poule. C'est ça. Je peux pas lui parler, il a perdu l'usage de la parole, il me fait cote, même en forme d'humain là. Ah, c'est cool, hein, cote, c'est cool. C'est ça. C'est là où on voit un mec pondre un œuf. Oh mon dieu, je veux pas voir.
Ah ouais, très fort le casque du défunt roi Poxelis qui dissipe toutes les illusions. Wow, il faut absolument que je garde le casque sur ma tête là. Oui. Juste une illusion. C'est ça. Téléphone. Je voulais me rendre au 6e sous-sol et c'est non. Non, au frigidaire. Non, pas au frigidaire de la poule, mais non. C'est pas de lire. Ah, oh, ouch. Comment je peux sauver le mec qui... Oh là là. Je sens que je vais redécouvrir des trucs par inadvertance comme ça vient de se produire avec le casque qui dissipe les illusions. Un truc de fou. Du coup, ça m'a coupé l'envie d'aller aux toilettes, là. Attends, ça m'a fait bizarre. Oh là là. Ah ouais. Sixième sous-sol. Oh! Bah merde! Je me souvenais pas que c'était fermé. Ah, il faut passer sur le côté. Oui, il y a une entourloupe. C'est vrai. Il y a une entourloupe. Ah bah non. Alors l'autre côté? Si le centre et le côté gauche sont pas dispo, il reste le côté droit. Par élimination. Ah bah, on entend le clac-clac-clac. Ah, merci. Voilà, du coup, ça a tout déverrouillé. Tant mieux. Voilà, sixième sous-sol, c'est par là. Et sixième sous-sol, donc il y a un truc que je veux absolument vérifier maintenant. Voilà, je suis au sixième sous-sol. Nickel. En plus, la sortie de la crypte va m'amener là où je souhaite. Je pouvais pas rêver mieux. Alors, attends, sortie de la crypte... Ah oui, tu m'étonnes. Ah. Oh, un rat. Hop là! Ah oui, mon perso a nouveau faim. Hop, on va manger du pain, du vin, du boursin. Attends, je vais dépecer le rat. Ah non, il a pas de chair. Je l'ai tellement bien violenté qu'il n'y a plus rien à récupérer sur lui. Bon bah, ça c'est fait. Du coup, c'est un rat. C'est ça. Attends, j'ai des trucs qui sont mal. Ouais, j'ai clairement des morceaux de cartes qui sont mal mis en lumière. Donc ça me donne le doute à savoir si j'ai bien exploré ou pas. Oh, j'ai cru entendre un rat. Ah, j'ai un feu où je vais pouvoir cuire la bouffe. Voilà, je me colle bien au mur, ça peut paraître débile. Ah bah tiens, j'ai l'autre qui va me faire suer. Il va mourir. Un petit malin. Merde, ah bah j'ai loupé. Hop là, il est mort. Ah lui aussi, il est foncé, oui, il n'y a pas rien. Alors mes pions de poulet. Bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Non, pas la fougère, c'est pour l'alchimie. Je vais pas en faire des fines herbes à bouffer, faut pas le croire, ça marche pas. Voilà, voilà. Ça, c'est du poulet cuit, donc comestible. C'est bien. Il y avait la pièce à côté. J'ai cru entendre encore un rat vivant, mais... Ça bouge pas. Ah, c'est parce qu'il y a un chariot de mine, d'accord. Et je peux pas... Ouais, je risque de provoquer un bug de collision, je crois. Mais alors ça, c'est pas très malin. Parce que... Voilà,
Oui, mais ça laisse croire qu'il y a un chemin et c'est trompeur. J'aimerais bien atteindre le fond, mais l'objet chariot de mine m'empêche de passer. Et du coup, j'ai pas le dessin complet de la carte. Donc, on revient dans deux parties, je vais me dire « Ah, mais j'ai oublié d'explorer ce sous-sol et je vais encore repester devant ce chariot de mes deux, là, qui me gonfle. » Et ça, c'est une fausse bonne idée de la part des concepteurs de niveau. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Arx Fatalis, c'était bien, mais la frustration monte en flèche. Donc la reprise, elle se fera là. Ah, je vais vous mettre une mini séquence de clip, le temps pour aller chercher ma soulager ma vie, réfléchir à quel jeu je vais vous faire. Bon, je laisse la vocale active, hein. Tu peux débiter des horreurs sous ma responsabilité en direct, mon cher Twinsen. C'est bien, t'as eu presque un rire de sadique digne de Fantomas, là, naturellement. Voilà, exactement. Alors, clips en vrac. Clips en vrac. Et je vous mets. Voilà. A tout de suite. Ah, mince, j'aime pas quand c'est le mode là. Voilà, là c'est mieux. Oublier peut-être se la garder, à vrai dire. Et se la mettre dans le. Qu'est-ce que c'est beau! Quoi? Il y a une deux chevaux qui nous poussent dessus! C'est quoi ce délire? Non, je parle de. Du singe, évidemment, je me suis trompé. Ah, ah bon? Ah non, parce que tout à l'heure, j'avais vu la couronne il y a deux secondes, et après, elle est partie. Il me trouvera jamais! Ah, d'accord, mais t'es. Je suis caché. Hé, je vois la carte! Oh merde, ça y est, ça bug. Alors, tu me trouves, Dragon Sky? Je crois oui, je suis pas sûr. Alors, si tu trouves une porte avec un. Qui annonce tout proche un sac brodé dans le kakimono, on va dire ça comme ça, dans l'affichette, c'est là. Ah, je transpire comme un bœuf là, j'en peux plus, j'ai trop chaud. J'ai pas fichu de prendre de ventilateur avec moi. Hop là, ça marche trop bien. Bon, allez, fini les vannes. Du coup, je t'ai perdu de vue avec mes amis. T'es resté à l'étage, rassure-moi. Je sais pas, mais je t'ai perdu de vue. Et moi alors? Appuie Jacques Pradel. Elle est partie de la Manche. Comment elle a fait pour se retrouver sur l'île de la Réunion? T'as fait un sacré détour sur le globe terrestre. Elle a navigué tout le long de l'océan Atlantique. Pour ensuite arriver au cap des tempêtes, c'est-à-dire le cap de Bonne-Espérance, qui est la pointe de l'Afrique, avant de reprendre le cap vers Madagascar et d'échouer juste avant sur l'île de la Réunion. C'est énorme. Qu'est-ce que tu veux tenter? Le grand saut dans l'eau. Oh, pas le quai, l'eau. J'ai failli me louper et me casser la figure dans le quai en bois en contrebas. Mais c'est passé. J'ai vu le saut de la fille est tombé. Voici, je fais le saut de fou. Non, t'es où? Oh, joli. Il a réussi. Joli plongeon. Bravo. En plus, toi, tu l'as fait en armure. Oh. Ouais, en armure. La vie élevée. Oui, elevated, c'était pas marqué extended. Mais l'idée est là. C'est beau! Oh, le passage là, il est magnifique. Goliath, et c'est David au volant? C'est ça. C'est beau. Ah, vous êtes terribles, les garçons. Ah! Et qu'il est bête! Ah! Mais, tu sais que je serais capable de mettre en concret ton concept et faire la vanne? De me lancer en vrai intitulé Twitch, dire hot tub là, je sais plus c'est quoi le truc. Mais le pire c'est que ce serait pas si mensonger que ça. Ah, ça a frappé. Tout le monde me frappe. Ah la queue le. Tout le monde me frappe. Oh non, vachement bien. Numéro 6, Benoît. Oh, mais
Mais qu'est-ce qu'il a mon père? Putain. Okay. Youhou. Ah mais j'ai... Attends, j'ai pas faire ça. Oh mon dieu. J'essaie de, trouver la perturbation. Ah merde, j'y étais. Vas-y avec ça. Allez, ouais. On fait cracher le dieu, vas-y. On voit que ma base est le Tangamore. Oh, il va réussir. Ça peut faire. Oh, oh GG oui, bravo. Magnifique. Pour la zone suivante, allumez votre lampe torche. Agression. J'ai peur, hein? Je suis violent! Pas d'une mémédoc! Alors, la lampe torche. Oh le con! Tu crois que je peux? Oh, il est fort ce mec! Je me souvenais pas que c'était aussi simple! Une petite pitchinette. Pouk, le mec il retourne le camion. Oh trop fort. Même les X-Men ils font pas ça. C'est la cachette, ça se configure dans les... Mais qu'est-ce qui se passe lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a poussé son... Il t'a défoncé. Qu'est-ce que c'est que cette blague? T'as vu le sage? Oui. Ça sera clippé. C'était magnifique, c'était superbement encadré. Mais alors il t'a explosé la remorque, c'était trop drôle. Attends, j'ai des dégâts, attends, je vais le poursuivre le gars, je vais lui péter ça, voilà. Il est pas si difficile que ça, oh la bagnole. Tout proche, je vais rester au lance-flamme, ils vont venir me rejoindre. Oh vache. Oh là là. Oh 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 oh. Je crois que le gars est mort. Je crois même qu'il a été pulvérisé. Oh non. Oh là là. Moi j'ai déjà plus fini. Ah bah il m'en reste plus. Ah je suis nul. Bon, on va peut-être changer de jeu. Et vous. Et Vivi, attends, mais ouais, de retour. Pardon. Alors, tu parlais éventuellement d'un nouveau jeu, pourquoi pas? Je l'avais testé il y a 48 heures parce que j'avais fini de l'installer. Le successeur de Roll Cage, je sais pas si ça parlera à certains d'entre vous.